alarme désactivée. Bienvenue, Marcus. Salut papa, je sors de l'hôpital demain. Ils m'ont dit que t'étais resté avec moi pendant que je dormais. Je suis vraiment navré de tout ce qui s'est passé. Je vais arrêter de prendre cette saloperie. Ça me détruit, ça me transforme en une personne que je déteste. Dis, j'aimerais bien passer te voir demain, si tu es d'accord. Je veux que tu saches que je suis fier d'être ton fils. Qui es-tu? Comment es-tu entré? Je dois voir Carl. Carl ne veut voir personne. Pars maintenant. Je t'en prie. Je dois le voir. Il est très faible. Je ne sais pas s'il est en état de parler. J'espérais que tu viennes. Vous m'avez tellement manqué, Carl. Oh. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Je suis complètement perdu, Carl. Le monde s'écroule autour de moi. J'essaie de prendre de bonnes décisions, de chercher des réponses. Mais au lieu de ça, je me heurte au doute et à l'incertitude. Le monde est gouverné par la peur, Marcus. La peur des autres, la peur de l'avenir. Il est comme moi, trop vieux. Il est temps d'y mettre fin. Qu'est-ce que je dois faire? Carl, il massacre mon peuple. Je ne veux pas combattre la violence par la violence, mais dites-moi, quel choix me laisse-t-il? La vie est faite de choix. Choisir entre
l'amour et la haine, choisir de tendre la main ou bien de lever le poing. Je n'ai pas de réponse facile pour toi, Marcus. Tu dois accepter le monde tel qu'il est. Ou te battre pour le changer. Tu es mon fils, Marcus. Notre sang n'est pas de la même couleur. Mais je sais qu'une partie de moi vit en toi. Quand le monde sombre dans l'obscurité, certains hommes ont le courage de l'en tirer. Tu es l'un d'entre eux. Affronte l'abysse. Mais ne le laisse pas te consumer. J'ai regardé Josh mourir dans mes bras. J'aurais dû le protéger. Nous protéger tous, mais... je n'ai rien pu faire. Josh a donné sa vie pour la cause. On doit s'assurer que lui et les autres ne sont pas morts pour rien. Ils ont tué North sous mes yeux. Et je n'ai pas pu la sauver. Combien de personnes ont survécu à l'attaque? Quelques centaines. Peut-être plus. On serait tous morts si tu n'avais pas fait exploser Jericho. Nos frères comptent sur toi, Marcus. Tu es le seul à pouvoir nous guider. Où que tu ailles, nous te suivrons. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus! Sauve notre peuple.
C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife ? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêt à me suivre ?